Et regarde, oh, il y en a déjà un. Regardez comme. Regardez la cousine pour qui vole les moutons. Le balai, la raclette et le tuyau. Coucou à tous les amis. Coucou. On espère que vous allez bien. Oui. Bon, regardez, j'ai le pneu qui est un petit peu dégonflé. C'est tout mou. Ouais, bah c'est pas grave, on va régler ce problème là. On espère que vous allez bien. Il y a Yanis, le petit cousin des filles, qui est arrivé. On va vous le présenter tout à l'heure. Hein. Et voilà, là on part à une source pour aller chercher de l'eau avec papy et Tariq, le frère de d'Asma. Bon allez, ça y est les amis, on part dans la voiture de papy. Elle a une belle voiture Toyota. Elle a des conduits. Et avec Tariq, que vous avez pas vu. Coucou. Et là, le grand frère de Asma. Oui. Et le tonton de Massilia et Camilia. Ça y est les amis, papy. On est arrivé. C'est à cet arbre là-bas. On va remplir tous ces bidons. Parce que l'eau du robinet au Maroc, il faut éviter de la boire. Dans la région de là où les parents habitent d'Asma, papy et mamie. L'eau du robinet, c'est pas très très bien. C'est mieux l'eau naturelle de la source. C'est pour ça qu'on vient remplir. Regardez, il y a un petit ruisseau en bas là-bas. Et voilà. Nous, on va pas vous montrer les palais de Marrakech ou les choses comme ça. Un peu chouïa, on verra pendant les vacances. Mais on va vous montrer le vrai Maroc. Voilà, mas. Non, faut prendre l'eau qui coule. Mas, vous les remplir avec cette eau-là. Non, c'est mieux. D'accord. Attends. Je vais m'occuper, d'accord. Va te montrer. Juste faire comme ça et attendre. Parce que ça devient lourd. Oui. C'est ça. Allez, Safi. C'est bien. On a. Il y a Tariq qui monte déjà les bouteilles. Et non, je prends. Non, vous prenez les moins lourds. Non. Allez, moi, ça nous aide à prendre un petit. Non. Ah, c'est bien. Regardez, il écoute pas, le papa d'Asma. Il écoute pas, il est pas sage, les amis. Là les amis, on est en train de. On va venir à la voiture. Oui. C'est Mas qui filme. On a fini de remplir les bouteilles de la source. C'est la première fois que je vais remplir des bouteilles dans une source. Bon les amis, on s'est arrêté à un endroit où c'est que c'est un genre de gîte. Ils appellent ça le palais du cèdre. C'est joli, il y a une fontaine. Regardez l'entrée. Je vais vous montrer de devant. Voilà comment il est le palais. C'est joli, c'est juste à côté de la source. Il y a des jolies fleurs. C'est une salle de fête. Ah, c'est une salle de fête avec l'artisan marocain. Allez, on y go. On a fait une petite escale. Il y a un petit chat. Regardez les amis, cette petite maison avec les écorces de l'arbre. C'est très très joli, différent. On n'a jamais vu ça. C'est un café. Un café? Papi Ali, il a dit je crois que c'est un café, mais je crois pas. C'est des enfants, oui. Comment? Elle appartient à des enfants. Ah, aux surveillants, oui, de l'eau et de la forêt. C'est atypique, j'aime bien moi ces choses-là, c'est joli.
regardez qui c'est. Yanis, le petit cousin des filles. Le seul cousin qu'elles ont pour le moment. Il va en avoir un deuxième. Parce qu'il va avoir un petit frère bientôt, Inch'Allah. Et voilà. Il est actif. Très très actif. Il veut manger le couscous. Sa maman, elle a préparé un très bon couscous avec la maman de... Avec la maman d'Asma. Ouais, c'est la maman de Yanis qui a préparé. Non, on était fatigués. Ça s'appelle Wafa. Et voilà. Et la femme de ce monsieur-là. Oui. Tariq. Oui. Et voilà, il fait très très chaud aujourd'hui. C'est l'été. Ouais, c'est l'été. Alhamdoulilah. On regarde en même temps un petit peu le Tour de France. Et voilà. Yanis, tu dis coucou? Et voilà, bon, on va manger de très bons couscous du Maroc. On va vous montrer, les amis, une grande catastrophe. Vous allez voir, mamie, elle a fait une grande erreur. Regardez ça, la piscine en haut, au milieu. Bah, ça va, on peut nettoyer avec la raclette, donc c'est facile. Il y avait de l'eau partout. Yanis, il fait le four, il va glisser. Non? Tu vas glisser, Yanis. Tu vas glisser. Là, bien. Hop. Masma, ça s'occupe bien de Yanis. Bon, les amis, on est à la terrasse là. On attend les moutons. Il y a Papy et Tariq qui sont partis chercher 3 moutons. Il y en aura 2 pour l'Aïd. Et il y en aura un troisième. Il y a des agneaux et brebis, je crois. Il y en aura un troisième pour le baptême de Camilla. Voilà, donc on a pris en même temps parce qu'après l'Aïd, c'est difficile d'en trouver un. Et comme l'Aïd ici, c'est le 10. Le baptême de Camilla, ça sera une semaine après, le 17. Donc voilà, on attend Papy et Tariq, le grand frère d'Asma, pour regarder. Regardez Yanis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la machine à laver? C'est mamie qui l'a mis ici parce qu'il fait que faire des bêtises. Ouais. La punition. La punition. Voilà les moutons, il y a Papy. Et les moutons, ils sont là, il y a les moutons. Descendez en bas. Non, descendez en bas. Quoi? Ah oui. Allez, on descend, Regardez comme Cam, elle est toute contente. Les voilà. Les 3 moutons. Salam alaikum. Les muskines. Sur la Honda. Et voilà, comme. Tu es contente, le mouton? Oui. Est-ce que je peux jouer encore avec lui? Mais tu veux faire attention parce qu'il a des cornes. Mais non, c'est pas des cornes, c'est des oreilles. Mais non, il a des cornes, tu vas voir. Oui, il a des cornes. Oui, tu pourras jouer avec lui, on va le monter à la terrasse, t'inquiète pas. Viens jouer avec lui. Et regarde, hop. Il y en a déjà un. Regardez comme comme. Une chèvre. Une chèvre, vas-y. Je peux pas la filmer. Mais Cam, elle est très 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 contente. Ouais. Alors? Ah oui! On peut le laisser. Ah, vous le laissez ici? Oui. Quelque chose qui. Attends que j'anime. Mais. Je sais pas, je veux le porter, je veux le voir. Tu oui, je vais te porter, ma chérie, tu vas le voir. Regarde. Et Yanis est toujours dans la machine. Il tourne les boutons. C'est une machine qui ne marche plus. C'est pour ça que mamie elle l'a mis là. Je peux le voir? Oui, attends, je te porte. Viens, ma chérie. Allez.
Regarde. Il est dans les WC. Il est dans les... Là, c'est des WC. Moi aussi j'ai peur. T'as eu peur? Oui, moi aussi. Oui. Monte tes lunettes, mon chéri. Je vois, elle tombe. Yannis, il est protégé. Ouais, Yannis, il est protégé. S'il fonce, merci. Ah, il a enlevé ses chaussures, il lui donne ses chaussures. C'est et mignon. T'as qu'une chaussure? Troisième. Oui. Oh, elles sont mignonnes. Ouais, c'est pas grave. Elles sont mignonnes. 3 €. Ils ont acheté. C'est pas cher. Ouais, ça va. Des petites chaussures comme ça. Bon, là, devant, ça se décolle, mais c'est rien. Troisième, il a pas de corne. Non, le troisième, il a pas de corne. C'est une femelle. C'est une brebis, ça. C'est une femelle. Femelle, oui. Et elle est la plus dangereuse. Ah oui, agressive. Ah oui. C'est pour ça qu'on l'a emporté. Et ouais, il faut vraiment faire le bagarre. Allez, attrape ta soeur, moi, ça s'attrape. Voilà. Bon, voilà, les moutons pour l'Aïd, les amis. L'Aïd, c'est demain. Et en France, vous l'avez fait aujourd'hui. Donc, Mabrouk, l'Aïd à tout le monde, à tous les musulmans. Peut-être ceux de Tunisie aussi, d'Algérie, ils l'ont fait aujourd'hui. Je sais pas, ça dépend. Ou dans d'autres pays, Égypte, etc. Mabrouk l'Aïd à tous. On vous le redira demain. Regardez Cam Cam. Regardez là. Elle a pris son petit vélo, même ça, elle est trop petite. Je peux? Ah, Cam Cam, elle a trouvé. Oui, dans la machine à laver. Elle a tourné bouton. On va lui donner de l'eau. Ah, pour pas qu'il tombe dans le trou. Hein? Oui. Voilà. Donc, ils sont bien, très très bien. Oui, ils sont très bien. Moi, je vais rentrer en France avec un nouveau pull, avec de la laine comme ça. Oui. On vous a pas montré, les amis, regardez les nouvelles claquettes de Camilia, les claquettes d'Amazir. Regarde, montre Cam Cam, regardez, c'est joli. Il ne faut pas les toucher avec l'eau. Regardez, ça y est. Ces claquettes là? Oui. Et voilà. Avec Cam Cam. Regardez, on a embauché la main d'œuvre. Regardez ça. Le balai, la raclette et le tuyau. Voilà. Regarde, il faut pas qu'il le jette en bas. Oh non, ça va. Regardez la cousine pour qu'il voit les moutons. Elle aide le petit cousin. Yannis, attention qu'il tombe pas. Yannis. C'est la baisse. Hop les. C'est bien, mas. C'est très très bien. Hop, pardon. Regarde. Aïe, il te regarde. Ouais, il y en a un qui te regarde, miskin. Mais. Voilà les amis, ce que moi j'ai acheté pour demain. Demain, Inch'Allah, c'est l'Aïd. C'est Babouchlan. J'ai choisi ça. Et j'ai acheté ça. Et Habib, il est là. En train de faire montage. Montage des miniatures pour les vidéos de demain. Oui, Inch'Allah. Et demain, Inch'Allah, c'est l'Aïd. Eh oui. Aujourd'hui, on a passé une bonne journée malgré que j'étais un petit peu malade. J'ai attrapé froid, je crois. Je sais pas ce que j'ai. Un coup de soleil ou de froid. Moi, je sais. Parce que j'ai pris 2 fois douche. Une froide. Douche froide, très froide. Alors qu'il fait très très chaud. Il faut pas faire ça. Oui, mais franchement, c'est fait très très chaud. C'est plus de 43 même, je pense. Ben oui, il devait faire 45, comme ça, je sais pas combien, mais.
Et elle est sortie ce matin aussi, elle a dû prendre un coup de chaud, je pense que ça doit être ça. Ouais, j'étais pas bien du tout. Alhamdoulilah, là ça va. Ouais. Et ouais, on va vous dire les amis, au revoir, Inch'Allah, bientôt, à demain. À demain pour l'Aïd, pour un joli vlog. Ouais, j'espère que vous passez un bon Aïd, tous, tout le monde. Que vous avez passé un bon Aïd. Ouais, Inch'Allah. Bye bye les amis, on vous aime beaucoup, bye bye. Bye bye.